Bonjour mes petites soeurs, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour s'ouvrir 3 boosters de Disney Princess 3D Puzzle. J'ai eu un souci, j'étais occupée à filmer. J'ai ouvert ce premier booster, enfin retiré le plastique dessus et la vidéo s'est coupée. Du coup ben, me voilà, j'ai juste déballé, mais je vais vous montrer quand même ce qu'on peut avoir. Cendrillon, Blanche-Neige. Réponse est belle. Après, je sais que j'avais vu juste ici. C'est Aurore. Aurore. La petite sirène et réponse. Voilà. Du coup, on va s'ouvrir ça tout de suite. Je vais déballer. Mais c'est pas grave. Allez, on va regarder. Je sais même pas c'est quoi. Je vois du rouge, du rouge. Ah, ça doit être blanche. Un petit sirène. 2 minutes. On va peut-être voir un tout petit peu mieux. Hop, je suis là. J'ouvre ça. Oui, ça doit être ça. C'est celle que je voulais. C'est bien ça. Et il paraît que ce serait des gommes. Mais ça m'étonnerait fort. Il me manque une pièce. Non? Ah non. La tête qui rentre dans la robe. Ne mettons pas la robe en l'envers. Et puis, hop. Voilà. Voilà comment elle se retrouve. C'est pas bien pratique parce que la tête. Ça tient pas debout. La tête est trop. Les cheveux sont trop grosses. Là, elle est pas bien rentrée. Voilà, enfin là, oui, c'est pas bien fait. Voilà, mais c'est pas grave. Je pense pas les mettre en décoration, ces trucs-là. C'était plutôt pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est joli quand même. Mais pas très pratique. Alors, il faut la force d'un homme pour bien entasser ça. Voilà la première qu'on a eue. On va mettre juste là. On va ouvrir le deuxième. J'ai pris mes ciseaux comme toujours pour essayer de couper pour avoir plus facile. Comme dans la vidéo que j'ai ratée, enfin qui n'a pas continué, c'est con que on n'a plus les petits dessins comme ça sur la boîte. C'est un peu con, mais voilà, c'est comme ça. Allez, j'espère ne pas avoir de double. C'est parti. Je sais pas c'est qui, c'est jaune. C'est Aurore répond. Qui c'est? Le rose doit être. Oh, si, le sachet est grand ouvert. Oh, c'est comment encore son nom? Je sais plus. Et par contre, on met comme ça. Sa couronne, je crois que je l'ai déjà. Comme ça. Hop. Moi, je crois que ça doit être le pied. Mais que j'arrive pas à rentrer la tête. Enfin. Voici. Et voilà notre deuxième princesse. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, il n'est pas bien enfoncé. Du coup, ça se met pas vraiment bien. Bon, enfin, soit déjà ça. C'est parce que je rachèterai. Je pense pas que j'en reprendrai. C'est vraiment pas ce qui est dit idéal. Voilà nos deux. Vous voyez, celle-là, elle part en cacahuète, c'est pas grave. Deux princesses, il nous en reste plus qu'une. J'aimerais bien avoir celle-là avec les paillettes dans les cheveux. Je prends mon ciseau. On enfonce le plus qu'on peut. Hop, hop, hop. Voilà, et c'est parti pour le dernier booster. Je vais juste reculer ça un tout petit peu. Je sais pas, je ne vois pas, je sais pas. Je vais mettre de côté.
C'est brun, je vois des cheveux bruns. Qui est brun dans cette collection? Ben, c'est la belle. C'est la belle. Est-ce qu'elle va être belle sa robe? On va voir sa robe déjà. Elle est bien faite. Mais par contre, quand vous voyez les cheveux, c'est énorme. Regardez ça. Énorme les cheveux. Et encore, elle a encore des cheveux à elle. Allez, retire tout. Elle a son kiki là. On peut trouver bien le sang parce qu'au moins ça rentre pas. Si vous voyez bien. Ou pousser fort. Non, ça. Voilà. Voyez les cheveux que ça fait. Vous voyez, ça rentre pas bien. Les cheveux que ça fait. Alors, quand vous voyez la tête, c'est vraiment. Mais en fait, la figure est vraiment bien faite. Et le corps, comme vous voyez, le corps et ça vraiment. Voilà quoi. Par contre, ça, je sais pas où ça va. Ah, c'est peut-être. J'ai trouvé. Je sais. Si je le mets bien. Voilà, c'est son élastique. Allez, comme si ça ne savait pas faire ça. Hop, après on regarde et on en pense. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez la tignasse qu'elle a. Voilà nos trois belles petites princesses. Dites-moi en commentaire lesquelles que vous préférez. Moi, je les aime bien tous. Celle-là, un peu moins, elle n'est pas bien faite. Ça s'entasse pas bien. Celle-là, il y a juste à pousser, mais j'ai pas assez de force. Celle-ci, elle est belle, elle tient bien. Celle-là, j'ai pas besoin par le pompon là. Mais voilà quoi, c'est trop joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de me dire quelle princesse que vous préférez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!